bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire du CNCH. Donc, dans la série des best-of 2020, après la cardiologie interventionnelle, la rythmologie, la réadaptation, les USIC, on va se consacrer aujourd'hui à l'imagerie non-invasive, l'imagerie cardiaque. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer, je voudrais déjà remercier l'Alliance BMS-Pfizer de nous soutenir dans ce projet de communication régulière. Je voulais également vous signaler que cette présentation et ce webinaire seraient rapidement remis en replay sur Facebook, que vous le trouverez également dès demain sur le site internet du CNCH, de manière à pouvoir le revisualiser. Également, pendant la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc, vous avez un petit mode en bas de l'écran qui s'appelle Converser, sur lequel vous pourrez formuler vos questions par écrit, qu'on essaiera de reformuler à la fin du webinaire si l'occasion se présente. Voilà. Et puis, j'ai l'honneur et le plaisir de co-modérer cette session avec le docteur Philippe Garçon de Saint-Joseph, à qui je laisse tout de suite la parole, Philippe. Merci beaucoup, Pierre. On est très, très heureux et très honoré à notre tour de recevoir le professeur Anne Bernard, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même, qui travaille donc à l'hôpital Trousseau de Tours, dans le centre d'imagerie cardiovasculaire. Elle est également membre du bureau de la filiale d'imagerie cardiovasculaire de la Société française de cardiologie. À ce titre-là, elle participe à l'organisation du congrès Paris Echo, à l'organisation du site Echo Webline, et je sais qu'elle a une part importante dans la formation des jeunes cardiologues, en particulier sur la simulation et sur tout ce qui est Echo 3D des jeunes cardiologues. Et donc, on est très content de pouvoir l'écouter ce soir. Anne, merci beaucoup. C'est à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à tous les deux de co-modérer cette session avec moi. Alors, comme je vous l'ai dit, surtout n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre pour qu'on puisse enrichir la discussion. Je vais tout de suite partager l'écran. Voilà, je pense que c'est bon, vous visualisez tous l'écran? Oui? Oui, c'est parfait. Alors, c'est parti donc pour ce best-of imagerie cardiovasculaire 2020. Alors, ce que m'avaient dit Pierre et Philippe d'emblée, c'est très lourd et ça fait une grosse actualité avec un champ très large. Et effectivement, c'est vrai que l'imagerie cardiovasculaire, plus on avance, et puis encore cette année, il y a eu de nombreuses publications sur des thèmes très différents. C'est donc pour cela que j'ai choisi de vous présenter ce best-of, non pas par type de modalité, parce que maintenant on parle beaucoup en fait d'imagerie multimodalité, où on peut avoir recours à plusieurs modalités d'imagerie pour un même diagnostic ou pour une même pathologie. Et donc on va plutôt aborder cette imagerie multimodalité selon les thèmes que vous voyez sur cette diapo. Alors, on va commencer par l'insuffisance cardiaque. Et pour commencer dans l'insuffisance cardiaque, on va commencer par la fonction diastolique. Parce que la fonction diastolique, c'est un vrai défi d'échographiste au quotidien dans nos laboratoires. Et ce papier a un intérêt majeur. C'est un des top 10 du JACC Cardiovascular Imaging de l'année 2020, ce qui déjà forcément le rend attractif et intéressant. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce qu'en fait, il retrace toute la fonction diastolique. Du niveau, ce qui se passe au niveau cellulaire hein, et des ponts au niveau actine-myosine, etc., et des relargages calciques. Donc déjà, c'est très intéressant de pouvoir le relire. Et puis, il met en perspective toute cette fonction diastolique, c'est-à-dire notre premier objectif, c'est déjà d'analyser en écho ce qu'est la fonction diastolique sur ces deux aspects, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un problème au niveau de la relaxation, est-ce qu'il existe un problème au niveau de la compliance du ventricule gauche. Et enfin, en échographie, on va essayer de tenter d'évaluer les pressions de remplissage du VG. Et ça, c'est une deuxième étape. On n'est pas sûr de pouvoir y arriver à chaque fois. On a des guides, on a des recommandations qui sont mises en perspective dans ce papier. C'était Shérif Naguet qui avait déjà écrit, coécrit ses recommandations sur les pressions de remplissage. Donc, bon, on retrouve la même patte de l'auteur, mais voilà, on retrace tous les paramètres disponibles, on refait bien le point sur ce qui est pression de remplissage du VG, qui va correspondre à la pression cap moyenne et ce qu'il y a pré-A, ce qui se passe avant l'onde A au niveau de la diastole, et puis la PT DVG, ce qui va se passer au niveau de la durée de l'onde A.
Autre intérêt de ce papier, c'est qu'il met en perspective des nouvelles modalités, le strain de l'oreillette gauche et son apport dans cette situation. Et puis l'intelligence artificielle qui pourra peut-être nous aider dans les années à venir sur la fonction diastolique. Alors, deuxième papier, toujours donc dans l'insuffisance cardiaque. C'est juste, voilà, pardon. C'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, on reste dans la dysfonction diastolique. Hein. Mais là, on va aborder l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée sous une attitude un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. L'idée, c'est que vous savez que depuis quelques années, tout ce qu'on a voulu débuter comme nouveau traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ce sont des échecs. Et peut-être parce qu'en fait, il y a eu un mélange des genres dans les patients inclus pour ces imageries, ces médicaments portant le nom d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est une maladie très hétérogène avec différents phénotypes. Alors, l'imagerie va avoir un grand rôle. Un, l'écho va permettre de vérifier qu'il n'y ait pas des pathologies curables. Et on pense tout de suite à l'amylose cardiaque. Ça, c'est un point très important de l'identifier chez ces patients-là. Et puis, deux, l'écho va avoir un rôle important. Il faut analyser la fonction diastolique, mais il faut aussi analyser la fonction systolique, bien sûr, de façon très fine, avec notamment le strain du ventricule gauche aussi, que l'on peut adjoindre. Et puis, ce qui se passe à droite, la fonction du ventricule droit, la taille du VD et les pressions pulmonaires. Il a aussi été montré récemment que l'adjonction de la pression systolique du VD avec la fonction diastolique et donc le E sur E prime pouvait permettre d'identifier et diagnostiquer l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée de façon plus fiable. Donc vraiment un papier très intéressant qui met aussi en perspective le strain de l'oreillette gauche dans cette situation. Et du coup, si le strain de l'oreillette gauche vous intéresse, eh bien je vous invite à lire ce how-to paper qui vraiment en deux pages vous explique le strain de l'oreillette gauche. Maintenant, certains constructeurs ont embarqué son calcul dans les machines en direct. Donc, c'est bien de pouvoir le relire si on peut le faire. Pas systématiquement, bien sûr, mais dans une certaine catégorie de population, ça peut nous apporter à condition qu'il soit bien fait et guidé pas à pas. Dernier papier sur l'insuffisance cardiaque, et on en a parlé, c'est l'amylose cardiaque. C'est quand même un sujet devenu vraiment d'actualité au quotidien et avec les nouveaux traitements qui sont apparus. Avec aussi le TAVI, on voit quand même l'amylose cardiaque chez un certain nombre de nos patients âgés. Donc, c'est intéressant de savoir la diagnostiquer. Et ce papier est pertinent parce qu'il a fait et un phénotype structurel, c'est-à-dire génétique de l'amylose à transthyrétine, et fonctionnel écho. Donc, ils ont analysé 1240 patients amylose à la transthyrétine. Ils ont séparé les patients selon leurs variants génétiques. Donc, il y a deux variants génétiques différents, si elle est donc héréditaire, et le variant sauvage, ce qu'on appelle le wild type. Ils ont ensuite catégorisé ces patients selon la sévérité de la maladie. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'amylose sauvage est classée au milieu en degré de sévérité et c'est un des variants génétiques qui induit le plus sévère. Autre point aussi, c'est qu'en fait, ce papier s'est intéressé aux facteurs pronostiques et notamment écho, bien sûr, de ces patients. Et les facteurs indépendants de mauvais pronostics, ce sont des facteurs aussi bien de fonction systolique avec le stroke volume index, le strain longitudinal, mais aussi le E sur E prime en fonction diastolique, la surface de l'oreillette droite indexée et le rétrécissement aortique associé est un facteur indépendant de mauvais pronostics chez ces malades. Donc voilà vraiment les paramètres que l'on peut analyser très précisément chez ces patients. En rythmologie maintenant, sur le thème de la rythmologie, on reste en fait un peu dans le sens cardiaque, on va parler de resynchronisation cardiaque. Le sujet n'est pas clos, hein. On a des années travaillé sur l'écho de la resynchronisation et l'analyse. On est toujours à 30% au moins de non-répondeurs à la resynchro. On n'a toujours pas de paramètres et on sait maintenant que de toute façon, il n'y aura jamais un paramètre unique pour prédire la réponse à la resynchro. Et donc, il y a des études qui… maintenant, combine les imageries et les modalités d'imagerie pour prédire la réponse. Et ce travail est intéressant. Déjà, c'est une équipe française, l'équipe rennaise, qui est bien connue sur ce sujet-là, avec Louvain et Oslo. Ils ont analysé en fait des patients candidats à la resynchronisation cardiaque
avec deux points d'aspect qui sont quand même différents. Là, on a utilisé le travail myocardique, c'est-à-dire qu'on compile la pression artérielle du patient en brassard avec les courbes de strain. Et on en fait ce que vous voyez là, ces courbes qui sont des courbes de pression strain ventriculaire gauche. Vous êtes habitué aux courbes de pression volume, mais là, c'est courbe pression strain. Et on va analyser ce travail myocardique septal versus latéral. Vous voyez ici, par exemple, ce patient-là avant implantation. En rouge, c'est son travail septal qui est extrêmement déficitaire. Et on le sait hein, que l'insuffisance cardiaque et le bloc de branche gauche va induire une dysfonction septale. Donc là, la différence de travail myocardique est très importante. Alors que la paroi latérale, il y a une surcompensation à ce niveau-là. Et ils ont analysé en IRM la cicatrice myocardique, la présence d'une cicatrice myocardique, mais en septal et pas en latéral, comme vous avez peut-être déjà vu à plusieurs reprises, en disant que vraiment on allait miser sur le septum. Et ce qui est intéressant, c'est donc en combinant cette différence de travail myocardique entre le septum et la paroi latérale et la présence d'une cicatrice en septal, eh bien on arrive à prédire la réponse à la resynchronisation avec, vous voyez, une aire sous la courbe, on est à 0,88, ce qui est assez encourageant. Donc voilà, beaucoup d'actualités peut-être encore à venir sur la réponse à la resynchronisation. Et si le travail myocardique vous passionne aussi, eh bien ce papier sur un how-to, pareil, en deux pages, sur comment calcule-t-on le travail myocardique dans la resynchro et puis aussi globalement, même peut-être pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Voilà, je suis un peu en avance parce que c'est un papier qui vient de paraître il y a 3 semaines. Deuxième papier de rythmologie aussi, l'analyse de nos patients qui ont des arythmies ventriculaires. On fait une échographie cardiaque et l'écho revient normal. Que faut-il faire? C'est l'intérêt de ce papier. 946 patients, 41 ans d'âge moyen, qui avaient tous une échographie normale. Ils ont tous eu une IRM cardiaque. Et quand même, on voit que chez 25% des patients, on trouve une IRM cardiaque anormale. C'est quand même considérable, un patient sur 4, on détecte de nouvelles choses. Et si on regarde spécifiquement la population des patients qui ont eu un arrêt cardiaque récupéré et de la TV soutenue, eh bien, il y a 2 diagnostics qui doivent ressortir. En 1, c'est la myocardite. 47% de ces patients ont des séquelles de myocardite. Et sinon, c'est la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Donc, l'intérêt paraît assez évident de compléter nos examens, même avec une écho normale, par une IRM cardiaque pour pouvoir détecter de nouvelles choses. Et on va passer au chapitre coronaire ischémie. Et on avait décidé de faire un peu en tandem. Donc, Pierre, je te laisse la parole pour ces 2 premiers papiers. Tu peux peut-être activer ton micro, Pierre? Juste. Merci beaucoup, Anne, de me laisser la parole, effectivement, et de me dire de rallumer mon micro. Donc, oui, et je voulais vous parler de 2 papiers qui me semblaient intéressants. Le premier est sur le score calcique. Vous voyez une cohorte énorme, hein, 66 000 patients inclus sur une vingtaine d'années, avec un suivi médian à 12,5 ans. Je trouvais que ce papier était intéressant, dans le sens où il renforce encore l'intérêt qu'on peut trouver au score calcique, principalement dans la population à risque intermédiaire. Vous savez que c'est la population à laquelle on destine principalement ce type de test. Et donc, vous voyez sur le schéma de gauche que dans une population qui présente 1 à 2 facteurs de risque, eh ben, il y a à peu près 50, entre 40 et 50% de ces populations qui ont un score calcique qui est nul, ce qui, de facto, induit, le suivi médian l'a bien montré, une morbi-mortalité cardiovasculaire qui est minime, avec en l'occurrence, dans ces chiffres, de l'ordre de 0,40 événements pour 1000 patients année. Donc, je trouvais que ce papier était intéressant pour encore renforcer l'idée que quand on a des patients qui ont un risque cardiovasculaire intermédiaire, et bien cette belle cohorte de 66 000 patients montre que dans une population très significative, on peut être complètement rassuré quant au risque de survenue d'événements cardiovasculaires et donc alléger un petit peu éventuellement le traitement ou le suivi. Voilà. Mais est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Anne ? Voilà, le deuxième papier dont je voulais vous parler, c'est ARP-MINOCA, un papier qui a été présenté à l'AHA en 2020 et qui est paru un petit peu plus récemment, et donc qui s'intéresse aux MINOCA, les infarctus coronaires, enfin les infarctus du myocarde à coronaire saine. Et donc dans cette population, donc vous savez, les MINOCA, c'est à peu près, on dit, 5 à 10% des SCA, donc c'est loin d'être une population anodine. Ça touche principalement, on dit, les femmes et
et les patients un petit peu plus jeunes que pour les syndromes coronariens classiques. Et donc, dans cette population de 170 000 cas, l'idée était de réaliser une OCT. Donc, une OCT, c'est une imagerie endocoronaire, quelque chose d'invasif pour le coup, qui n'est pas forcément très simple hein, chez les patients. Il faut arriver à accéder aux trois coronaires sans avoir forcément de lésion qui va vous indiquer qu'est-ce qui se passe. Et donc, on n'est pas guidé éventuellement par une lésion coronaire par définition puisqu'on n'en trouve pas. Et donc, vous voyez que cette OCT donne dans 46% des cas, un cas sur deux, une indication éventuelle sur un événement coronarien. Et donc, dans cette cohorte de 145 patients, il avait été réalisé 116 IRM avec, vous voyez, une plus-value, on peut dire, de l'IRM, puisque là, on a une IRM normale uniquement dans 26% des cas. Donc, on a les trois quarts des patients pour lesquels l'IRM apporte une plus-value et une information. Un peu plus de 50% des patients sont finalement reclassés dans un événement, qu'on va dire, coronarien, et puis 20% dans un événement non ischémique. Ce qui est clair, et ça rejoint bien ce que tu disais au début, Anne, du topo, c'est que l'imagerie multimodalité apporte clairement une aide et cette étude le montre bien, puisque l'intégration de l'OCT et de l'IRM dans les minocas, a priori, permet de retrouver une cause identifiée dans 85% des cas, donc une plus-value certaine à associer les différentes modalités d'imagerie. Il me semblait également important de dire quand même que l'IRM n'était pas forcément la panacée et ne suffisait pas à elle-même, puisque vous voyez que dans cette cohorte, 40% des IRM étiquetés normales, eh bien en fait, avait une lésion qui était objectivée en OCT. Donc, l'IRM ne répond pas dans ce type d'indication à toutes les questions. Voilà, je te repasse la parole. Merci Pierre. Et puis, pour faire la transition toute trouvée, puisque tu viens d'en parler, Minoka et puis Takotsubo, j'ai trouvé que ce papier était très intéressant, de nouveau pour parler d'imagerie multimodalité, dans le syndrome de Takotsubo spécifiquement. On revoit toute la place de la coro, de l'angio VG, la place de l'IRM cardiaque, de l'échographie avec le strain et l'analyse en strain de ces patients, la présentation avec une insuffisance mitrale que l'on peut avoir dans certains cas de dysfonction VG très sévère. Et puis, il propose un algorithme justement de prise en charge de ces patients en distinguant bien le patient qui va se présenter avec une élévation du segment ST en phase aiguë versus celui qui ne l'a pas. Donc, celui forcément en phase aiguë, c'est d'abord la coronarographie qui est à la première place, bien entendu, et après, on va dérouler les modalités d'imagerie en fonction. Donc, l'algorithme est peut-être un petit peu lourd à lire avec un score, etc., qui est intéressant. Mais bon, voilà, ça fait vraiment un point sur les modalités d'imagerie dans le syndrome de Takotsubo et qu'en faire. Alors, pour continuer sur les coronaires et cette fois-ci l'ischémie myocardique, vous connaissez cette publication Ischémia, hein, début 2020. Donc là, on parlait de coronaires, bien sûr, et de revascularisation. Ça a lancé un débat très vif, hein, cette étude, parce que autour de la détection de l'ischémie, rapidement, on a dit, on ne sait pas détecter l'ischémie. En tout cas, ça ne sert à rien de détecter une ischémie. C'est, je pense, une conclusion beaucoup trop hâtive de cette étude. Ce n'était pas le résultat, déjà. Ce n'est pas l'hypothèse primaire non plus de l'étude. Donc, l'ischémie myocardique a encore toute sa place. Et si vous voulez faire le point sur ça, il y a ces très belles recommandations de la société américaine d'échocardiographie où on revoit vraiment tout ce qu'il y a sur l'écho de stress. Les protocoles d'échographie d'effort, les protocoles d'échographie sous dobutamine, la place des nouvelles techniques comme le strain lorsqu'on réalise une échographie de stress. Et puis, point important aussi, c'est qu'il y a maintenant des niveaux de recommandation pour réaliser ces examens de stress dans certaines situations. Par exemple, si on prend la stratification du risque pour tester l'ischémie, eh bien, vous voyez que sur la troisième ligne, chez les patients asymptomatiques diabétiques, on va prendre cet exemple-là, eh bien, le niveau de recommandation pour réaliser une échographie de stress est de 2BB. Voilà. Donc ça peut vous guider pour certaines choses. Et puis, si on parle de la coronaropathie stable et la réévaluation de ces patients, eh bien, chez les patients qui sont symptomatiques coronaropathie, eh bien, dans ces cas-là, il vaut mieux réaliser une imagerie de stress avec une recommandation 1C versus une épreuve d'effort simplex. Voilà, c'est juste quelques points soulignés de ces recommandations, mais qui, me semble-t-il, sont intéressants.
Troisième aspect de l'ischémie, on va parler là, pas des MINOCA, mais de l'INOCA. INOCA, c'est l'ischémie coronaire non obstructive. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'anomalie de microcirculation coronaire ou l'angor vasospastique, hein, selon les différentes formes. Ce papier, c'est un document consensus qui est vraiment pertinent à lire parce que vous allez réapprendre tout ce qui est sur l'angor vasospastique, la microcirculation coronaire, tout ce qui est mécanisme physiopathe. Et puis, on propose un algorithme de prise en charge de ces patients avec vraiment l'évaluation du patient. Et en deux, ce qu'il faut retenir, c'est l'imagerie fonctionnelle avant d'aller vers une imagerie invasive des coronaires et une imagerie anatomique. Donc voilà. On fait le point sur tous ces types, la place de ces examens, ce que ça apporte et à quel moment aller en imagerie invasive. Enfin, on va dire en coronarographie. Pardon. Sujet des valvulopathies et de l'endocardite infectieuse. Bon, j'ai choisi de ne parler que de l'endocardite infectieuse puisqu'il fallait bien faire une sélection, avec en particulier le problème diagnostique de l'endocardite infectieuse. Je vous ai remis ici les recommandations de 2015 qui avait apporté des éléments nouveaux dans l'algorithme diagnostique de l'endocardite infectieuse, puisqu'on disait que selon les critères modifiés de Duke, si on était dans l'endocardite possible ou rejeté, mais avec une suspicion qui restait très élevée, il fallait distinguer les patients qui avaient une valve native des patients qui avaient une prothèse valvulaire. Et chez ceux qui avaient une prothèse valvulaire, on recommandait de réaliser une imagerie de type PET scan ou scintille aux leucocytes marqués. Et c'était bien précisé dans les petites lignes que le PET scan, il fallait le réaliser que si la prothèse avait été implantée depuis plus de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on pense que dans les 3 premiers mois post-opératoires, il y a une inflammation très importante et donc faire un PET scan, ça va flasher et qu'on ne pourra rien en conclure. Alors, ce papier, publié l'année dernière, met un pavé dans la mare puisqu'il remet en cause ce délai de 3 mois. Ils ont analysé 37 patients, des bioprothèses, des prothèses mécaniques, aortiques ou mitrales, et ils leur ont fait un PET scan systématiquement à 1 mois post-op, à 6 mois et à 12 mois post-op. 80% des patients en moyenne fixent. Si c'est 86% à 1 mois, à 1 an, il y a toujours 76% des patients qui fixent au PET scan, à 1 an. Donc, ça remet vraiment en question ce délai de 3 mois. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans 93% des cas, s'il y a fixation, c'est une fixation de ce type sur l'image à gauche, diffuse et homogène. Voilà. Et c'est complètement différent de la fixation de l'endocardite infectieuse que vous voyez tout à droite, qui là est intense, qui est plutôt focale et qui va être hétérogène. Donc, bien sûr, hein, il y a des cas intermédiaires, ça c'est sûr, tout n'est pas facile. Mais ce papier a donc ses deux intérêts majeurs, hein, c'est de bien montrer qu'après l'implantation d'une prothèse, on a une fixation qui peut durer jusqu'à plus d'un an, donc ça remet en cause ce délai des 3 mois, et en plus, ça caractérise ce type de fixation. Autre sujet, la cardiopathie emboligène. Alors, j'ai choisi d'en parler parce que je pense qu'on est tous pareils, hein, des ETO et des ETT de bilan d'AVC et de recherche de cardiopathie emboligène, on en fait beaucoup, et notamment maintenant avec la fermeture des FOP. Alors, il y a toujours une question, vous savez, sur les FOP, c'est la présence d'un anévrisme et la taille et l'importance du shunt. Alors, ce papier, il est très intéressant, c'est… équipe française et équipe sud-coréenne, en fait, ils ont poulé les datas de 900 patients. C'est 4 études, 2 études qui étaient des études observationnelles et 2 études randomisées, des patients avec un FOP connu qui avait été caractérisé en écho et qui étaient sous traitement médical, 30% sous anticoagulation orale et les autres des traitements antiagrégants plaquettaires. Et ils ont étudié le pronostic et le risque de récidive d'accidents vasculaires cérébraux chez ces patients, et notamment avec ces 2 critères, importance du shunt, c'est-à-dire plus de 30 bulles qui passent, et un anévrisme du septum interatrial. Et quand ils font un modèle qui poule l'anévrisme du septum, un PFO large, l'âge, l'hypertension artérielle et l'anticoagulation du patient, eh bien, le facteur indépendant de récidive d'AVC qui est le plus important, c'est la présence d'un anévrisme du septum interatrial, alors que l'importance du shunt n'est pas un facteur indépendant de récidive d'accident vasculaire cérébral. D'où vraiment l'importance d'analyser précisément ces septums interatriaux chez nos patients, pas juste voir s'il y a un shunt, mais voir s'il y a un anévrisme.
Et donc, pour revoir comment faire, ben, je vous invite à consulter sur EcoWebline ce petit fascicule qui avait été fait par la filiale d'imagerie et le travail de Catherine Sportouche, qui est vraiment extrêmement complet, avec un compte-rendu type du bilan de septum interatriel et de foramen ovale. On revoit comment mesurer le septum, comment dire s'il est fixe ou phasique, et l'importance du shunt à quantifier. Donc ça peut être un document important. Et vous pourrez compléter votre lecture avec ces recommandations qui viennent juste d'être publiées hier. Ariel Cohen était le chair de ces recommandations. Recommandations de la Société européenne d'imagerie cardiovasculaire sur la détection des sources cardiaques d'embolie. On fait le point sur tout. Toute l'imagerie multimodalité pour l'évaluation de l'aorte, l'évaluation du septum interatrial, l'évaluation du thrombus, aussi bien VG que auricule. Donc voilà, c'est très intéressant et je pense un document à avoir dans sa poche. Et vous voyez, pour l'instant, il n'a encore pas de numéro attribué. Il y a encore une presse. Donc voilà, on est un peu en avance sur 2021. L'aorte, maintenant, puisqu'on parlait des gros vaisseaux. Un papier très intéressant qui est une review du JACC qui met en avant les problèmes de discordance de mesure de l'aorte thoracique entre l'écho et le scanner et ou l'IRM. Pourquoi ? C'est qu'en fait, on a de plus en plus de mesures automatisées embarquées sur les systèmes et notamment au scanner. Maintenant, se sont développées les mesures automatisées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des discordances encore plus importantes qu'avant dans les mesures. Cet intervalle peut être de 3 à 5 mm hein, dans ce qui a été reporté selon certaines études, donc c'est quand même considérable, avec l'idée que toujours l'automatisation sous-estime la dimension par rapport aux mesures manuelles. Alors, ce papier, il fait le point sur tous les facteurs qui vont engendrer un risque de discordance. Est-ce qu'on mesure en systole ou en diastole? Est-ce qu'on fait sinus à sinus ou sinus commissure? Quel est le type de curseur qu'on utilise? Les formes d'aorte, etc. Vous pourrez tout revoir. On voit aussi la place de l'écho et comment faire une bonne analyse de l'aorte ascendante en échographie cardiaque, bien zoomée, en gardant les critères qu'on a toujours appris, c'est-à-dire bord d'attaque à bord d'attaque sur l'aorte ascendante à partir des sinus, la jonction et l'aorte tubulaire. Et puis, le papier se conclut comme ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer maintenant le niveau de recommandation pour intervenir sur l'aorte. Donc là, pour l'instant, c'est des perspectives, certes, mais c'est un pavé dans la mare. Est-ce qu'il ne faut pas descendre le cut-off d'intervention sur l'aorte au vu de ces nouvelles mesures automatisées ? Papier sur le sportif, ce sont des recommandations de nouveau. Parce que c'est toujours un sujet qui nous préoccupe hein, quand on a des athlètes en bilan, en écho, notamment avec des épaisseurs septales, une dilatation des cavités cardiaques, gauche ou droite, une hypertrabéculation. Eh bien, ce papier de recommandation d'imagerie multimodalité replace un en un, c'est l'échographie cardiaque transthoracique à faire, qui peut permettre d'exclure une pathologie, mais qu'après, si elle est inconclusive ou qu'on ne peut pas identifier clair ou qu'on identifie quelque chose, il faut recourir à d'autres types d'imagerie, IRM, scanner, pour faire le point. Alors, ces recos sont vraiment très pratico-pratiques, et notamment avec ce schéma à gauche hein, qui vous remet tous les facteurs et les paramètres écho que vous pourrez regarder en détail si vous avez une hypertrabéculation, comment être sûr de pouvoir éliminer une pathologie de type non-compaction quasiment avec ces critères d'emblée. Voilà le rôle de l'écho, je vous l'ai dit, et puis surtout analyse multidisciplinaire de ces jeunes patients qui posent souvent des problèmes avec des formes atypiques qu'il faut connaître et qu'il ne faut ou surtout ne pas méconnaître pour pouvoir identifier les patients. Alors, projetons-nous un petit peu dans le futur. Bien sûr, le futur est pas mal marqué par l'automatisation des mesures sur les nouvelles machines. L'intelligence artificielle qui peut détecter les types de flux, les vitesses d'emblée et nous aider beaucoup aussi bien en 2D qu'en Doppler. Mais j'ai choisi de vous présenter juste ce papier sur aussi la réalité augmentée. Qui est quand même passionnant. C'est une première expérience chez l'homme où vous voyez l'échographiste porter des lunettes de réalité augmentée qui permettent de projeter dans l'espace la valve mitrale
lors d'une commissurotomie percutanée. Ce volume qui va se balader devant vous permet de communiquer très facilement avec l'interventionnel qui est juste à côté de vous. Donc, c'est peut-être ça le futur des blocs opératoires, en tout cas des salles hybrides, on va dire, pour l'échographie cardiaque. Voilà, on termine sur une idée d'avenir et de futur de l'écho. Voilà, je vous ai remis tous les papiers. Merci beaucoup, Anne, pour cet énorme travail et cette magnifique présentation. Une revue très exhaustive de tous les sujets qui nous intéressent. Je pense qu'il va y avoir des questions. Philippe va peut-être en avoir. Je me fais tout de suite le relais d'une question qui a été posée sur Internet par le docteur Abdelali Salima qui demande si tu réserves l'IRM aux arythmies ventriculaires complexes ou bien si tu la proposes même aux extrasystoles ventriculaires isolées avec une grande charge d'extrasystole et une échographie cardiaque normale. Ça, c'est une discussion qu'on a avec les rythmologues. Je ne me prononcerai pas pour... Alors voilà, souvent, oui, en effet, pour l'instant, on fait avec des patients qui ont vraiment une arythmie ventriculaire complexe. Si c'est simple et qu'ils ont identifié, on ne va pas plus loin, effectivement. Allez, bonjour. Merci. Je suis désolé, Philippe. Ouais, j'ai une question. Alors, tu as un petit peu abordé le sujet quand tu parlais du cœur de sportif. Moi, j'ai une question. Alors, je ne suis pas du tout échographiste. Moi, je fais plutôt de l'imagerie en coupe, mais on est régulièrement sollicité pour faire des bilans comme ça d'hésitation devant des cardiopathies hypokinétiques, un petit peu chez des patients jeunes qui, a priori, n'avaient pas de comorbidité. Et ma question porte sur la non-compaction. C'est une grande question, la non-compaction pour moi en IRM, parce que qu'on a régulièrement des cardiopathies hypokinétiques avec des trabéculations qui sont très marquées. Je n'ai pas vraiment en tête finalement de critères très clairs. J'ai l'impression que suivant les études, ça varie. Est-ce que tu as une vision un petit peu plus claire des choses? Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur la question? Alors, c'est un sujet difficile, hein, parce que quand on voit des trabéculations chez les jeunes, on n'est forcément jamais à l'aise. Et c'est là où j'ai trouvé ce papier, je le remets, qui est assez intéressant justement sur ce qu'il propose vis-à-vis des trabéculations. Hein. Si on regarde ce schéma, en bas, donc, ils disent les paramètres d'imagerie qu'on peut regarder qui vont nous aider à éliminer une pathologie. Notamment, c'est une fraction d'éjection du ventricule gauche normale. Rajouter un strain pour pouvoir avoir une fonction longitudinale qui sera normale aussi chez ces patients. Et puis, de bien faire attention, certes, il y a la zone des trabéculations, mais l'épaisseur de la zone qui est compactée. C'est-à-dire que si la zone vraiment compactée, elle est d'épaisseur normale pour un patient, on peut penser que ce ne soit pas un facteur pour penser à une non-compaction du ventricule gauche. Et puis, il rajoute aussi la fonction diastolique. Hein, encore une fois, on y revient. Si la fonction diastolique est normale et compatible avec un sujet, on peut se dire qu'il n'y a pas de non-compaction du ventricule gauche. Donc, c'est vrai qu'il faut, au-delà des trabéculations, il faut regarder le myocarde sous-jacent, le compacter. D'accord. Philippe ? Oui, merci beaucoup Anne, c'est passionnant. J'ai rempli ma petite liste d'articles à lire pour demain, bien sûr. pour ce week-end peut-être, tu veux dire. Pour ce week-end. Finalement, que ce soit dans l'article que tu nous as présenté sur les extrasystoles ventriculaires ou dans l'article que nous a présenté Pierre sur les minocas, on a l'impression que l'IRM a cette capacité à explorer un petit peu la caractéristique tissulaire du myocarde, qu'en écho on n'arrive encore pas vraiment à approcher de la même façon sur les recommandations sur l'écho de stress. On parle beaucoup de la charge calcaire sur la nomitrale, sur la noix aortique, qui correspond à une augmentation du risque coronaire. Où est-ce qu'on en est en écho d'une tentative de caractérisation tissulaire, peut-être au-delà du strain, qui est très intéressant, mais qui pose quand même des problèmes de reproductibilité entre les constructeurs. Est-ce que tu as une idée là-dessus ?
Alors, c'est pareil, c'est un sujet qui n'est pas facile non plus. Le strain a apporté des informations, ça c'est sûr, et intéressant de le faire avec les limites de, en effet, reproductibilité entre constructeurs et savoir utiliser la même machine, enfin en tout cas quelque chose où on va avoir confiance pour pouvoir voir. On va obtenir des informations, mais certainement pas toujours suffisantes. C'est-à-dire que, en fait, le strain, il a une valeur importante pour ce qui est le strain global, c'est-à-dire une altération du strain global. Au niveau segmentaire et régional, la reproductibilité, enfin, la consistance des données, elle est encore insuffisante. Ça peut apporter pour le profil, et ça, par contre, on va regarder le profil du strain sur l'œil de bœuf. Là, vous savez, cette représentation, par exemple, pour la cardiopathie amyloïde, ça apporte des points importants. Donc, un, regarder un strain si c'est ABC. Après, il y a des travaux sur tout ce qui est twist, untwist aussi du myocarde, mais c'est encore des paramètres qui sont de reproductibilité limitée, tout ça parce que ça va passer par le 3D. Et que bah, avoir une bonne échographie 3D qui permette de faire une analyse segmentaire fine, c'est encore difficile. Alors, le travail myocardique, hein, ce qui est développé pour la resynchronisation cardiaque, c'est quand même un point très important et potentiellement de développement aussi sur ce sujet-là. Après, on avait parlé de l'élasto aussi en écho. Enfin, écoute-moi, à ma connaissance, pour l'instant, ça reste de la recherche plus que… Voilà, mais peut-être que toi, tu as un point de vue sur ce sujet-là. Oui, moi en tout cas, sur la pratique de l'écho de stress, je trouve que le repérage des calcifications, même si pour l'instant ça reste non automatisé, ça permet quand même de faire passer la probabilité pré-test dans des catégories très élevées. Je pense qu'il y aurait moyen, en faisant un peu comme en IRM, en changeant un peu les réglages et avoir plusieurs settings, il y aurait à mon avis moyen d'avoir des logiciels de quantification de ce score calcique, entre guillemets, échographique. Ça a déjà été proposé dans la littérature. Je suis un peu surpris du fait que ça n'aille pas un peu plus vite, parce que je trouve ça intéressant et que le strain, ça reste quand même quelque chose de très mécanique. Et je pense que ce qui nous manque, c'est vraiment une approche tissulaire. Ouais, mais bon. Du coup, j'ai une Oui, autre question. Alors, l'hôpital n'a plus de sous. Il faut choisir dans les options des appareils. Et est-ce que tu choisirais de garder le 3D, le strain ou le travail myocardique? ah. Et j'ai le droit d'en choisir combien sur tes trois? Il n'y a qu'une seule option possible, madame. Il n'y a qu'une seule option possible. Ah ben, je vais dire, tout dépend de mon activité principale. Si ce que je fais, c'est de la valve, bien sûr, j'irai plutôt, et de la valve et de l'interventionnel derrière, forcément, je vais aller vers le 3D. Si maintenant, ce que je fais au quotidien, c'est de l'écho, la suivi de chimio, le suivi, je vais garder le strain. Et myocardique, pour l'instant, je vais le garder en dernier. Parce qu'il n'y a pas assez pour l'instant de nombre de papiers, de robustesse, etc., et d'intégration dans les recommandations. Voilà. Moi, je trouve que le strain, dans un certain nombre de pathologies, nous apporte quand même beaucoup de renseignements, hein. L'amylose pour le rétrécissement aortique, quand on suit des rétrécissements aortiques et quand on voit en bilan, le suivi des chimios. On ne l'a pas parlé aussi, mais parce qu'on parlait de la caractérisation en IRM, hein, mais le suivi des sclérodermies, toutes les pathologies de médecine interne, même quand on a un strain altéré, ça nous attire l'œil pour aller faire une IRM et des fois on découvre des œdèmes myocardiques massifs, hein, quand même, hein. Pierre, tu avais une autre question? On a des questions sur Internet. Quelle est la place de l'écho d'effort en cas d'IAO chronique symptomatique? DAO chronique symptomatique. Ben, si le patient est symptomatique, moi je ne fais pas d'écho d'effort, hein. Voilà, le patient est symptomatique, il doit être opéré. C'est dilatation du VG, taille du VG, et puis voilà. Philippe, est-ce que tu as… Pareil, exactement pareil. Voilà. Autre question, patiente de 49 ans, sportive de loisir, qui a une extrasystolie ventriculaire à type de retard gauche qui fait environ 2000 extrasystoles par 24 heures. Extrasystole monomorphe à couplage long,
Pas de TV soutenue, FEVG normal, pas d'HVG, faut-il aller à l'IRM cardiaque ou commencer par épreuve d'effort et traitement médical? Alors, moi, je pense que enfin, la première chose, ce serait l'épreuve d'effort pour voir la caractérisation de ces extrasystoles en épreuve d'effort. Voilà, puis en fonction, adapter, j'irai à l'IRM en deuxième. Si, voilà. Déjà voir à l'épreuve d'effort ce que donnent ces extrasystoles. Chez un sportif, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe à l'effort. Hein. Ok, merci beaucoup Anne. Et je crois qu'il est malheureusement l'heure de clore. Philippe, je te laisse ce lourd travail. Ben non, il ne me reste plus qu'à te remercier, à remercier Pierre pour vraiment une très très belle revue de littérature sur un sujet qui est toujours aussi passionnant, plein d'avenir et plein de choses très excitantes pour le futur. Merci beaucoup Anne. Merci à vous. Merci à tous, bonne soirée. À tous. Bonne soirée.